On est parti pour une nouvelle journée. Oula, ça c'est à fond. Ça c'est aux trois quarts. On va aller vendre la cocaïne. On va regarder la boîte de nuit. 102 000 $. C'est pas assez. Est-ce que la session elle est agressive? Non, la session a l'air chill. Aucun farmer a l'air d'avoir besoin d'aide. Par contre, il y a des joueurs qui sont rosés quand même. Je me méfie de leur couleur là. Rosé, rosé. Ok, bon, allez. Bah, c'est quoi? On va aller vendre la cocaïne. Ouais, 930 $. Ouais, nice. Quelle heure il est? 5h38 du matin. Cool. J'espère que je vais pas me faire emmerder sur ma vente. Parce que là, je suis tout seul. Hein. Là, il n'y a pas de poteau qui viennent m'aider. Il n'y a que dalle. J'ai pas encore le réflexe de faire le plein dans la salle d'arcade. Bon, c'est pas pour ce que ça coûte non plus. Hein. Oh, au pire, si je me fais attaquer, je pleurerai dans le chat, hein, comme font tout le monde pour demander de l'aide. Waouh. Allez, peu importe le style de vente, je la fais. Monter sur un bateau, putain, encore celle-là? Ah, mais c'est pas au même endroit. Waouh, ça pue, c'est là où il y a... Ok, bon, j'y vais. Et non, tu peux vérifier sur ta voiture, il n'y a pas de bombe collante, mec. Je ne suis plus ce genre de joueur à péter tout le monde pour rien. C'est terminé. Faut juste pas s'approcher de moi et il n'y a pas de problème. Limite, j'aurais lancé la vente depuis ma salle d'arcade, ça aurait été mieux, quoi. Je me suis éclaté la main contre le bureau, je sais pas ce que j'ai mal, là. Attends, j'ai mal à la main. Wouah, c'est pas du RP, là, c'est du IRL. Wouah, allez, go. Ah putain, mais j'ai mal, ça me lance dans la main. C'est random, ce truc, c'est quoi? C'est bon, ça va mieux. Je devrais être à peu près tranquille. À peu près, je dis. Hein. Oh. C'est quoi ce chemin de l'enfer, là? Freine. Ça me rappelle quand je descendais les escaliers en vélo quand j'étais petit. Bah, ils sont où, les bateaux, frère? Ils auraient pas pu me les mettre au bord de l'eau. Je suis encore obligé de tremper mes chaussures. Wow, je passe juste à côté d'un sous-marin. Oh, le seum. Putain, mais non. Ah, j'ai pas de chance. Ça va, y a pas trop de vagues. La mer est calme. Ça, c'est cool. Ça va, il a l'air de s'en battre les couilles. Je pense que c'est quelqu'un qui fait les missions de prépa. Les ventes en bateau, elles sont chill, hein, franchement. J'espère qu'il va pas aller me péter mes bateaux, lui. Hein. Non, il a l'air de s'en battre les steaks. Le stress est total, hein, avec les sous-marins. Hein. Je suis pas rassuré là. Je pense qu'ils avaient voulu me péter, ça fait longtemps qu'ils l'auraient fait, donc bon. Le jaune, je sens pas du tout là. Bon, c'est positif, ça veut dire qu'on peut faire des ventes à côté des joueurs. Tout le monde ne tue pas tout le monde. Putain, mais il me fait flipper lui avec son bateau là. Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai pas envie de jouer à la bataille navale, mon frère. Hein. Viens pas me casser les couilles. Hein. Je suis à deux doigts de réussir ma vente complète et tout seul. Ça fait plaisir. Parce que là, j'ai plus un rond en fait. Je suis à 85 000 $. 20 minutes pour gagner plus de 400 000 $, ça va, hein, c'est archi rentable. Ok, il y a un joueur. Ok, Titouan. Il y a beaucoup de joueurs dans ce coin de la map, ça commence à m'inquiéter ces histoires-là. 500 000 boules presque, les potes, 500 000 boules. Putain, je suis choqué, quoi. Énorme. Putain, j'aurais attendu la barre à fond, les gars, j'aurais gagné 550 000. Wow, c'est satisfaisant de... Ok, tout a été approvisionné. Qu'est-ce que tu veux, toi? Vas-y, relève-toi pour voir. Il se passe quoi, là? Ah, il y a un radar. Est-ce que je peux le détruire Alors, attends. Voilà. Oula, ça commence à... Le pétez pas, lui. La vide qui vous voulez, je sais pas. Hello, my friend. Ah, les armes légendaires, tu peux pas les lâcher, en fait, ok. Ah oui, c'est parce que tu peux pas les acheter, tout simplement. Bah oui, j'ai envie de rejouer avec ce flingue-là. Je prends énorme de plaisir à faire des gunfights avec ce flingue. Donc maintenant, je vais jouer avec ça, et puis un jour, j'espère pouvoir l'améliorer en MK2, parce que celui-là, je le kiffe, mais il a une cadence de tir vraiment dégueulasse. Je suis pas à l'aise. Au passage, je vais aller chercher des munes, parce que là, j'ai perdu le lance-grenade, c'est inadmissible. Non, tu sais quoi, le chrono, je vais pas le faire. Tant pis, j'ai pas envie, là. Parce que je sens que je vais pas l'avoir du premier coup, ça va me fatiguer. Oh! Ça peut toujours servir. Voilà.
Voilà, moi j'aime. J'ai pas d'autres armes bonus là dans le coin. Bon, alors rien du coup, ils sont payés. J'espère que je les paye pas. Par contre, là, la procédure Covid, elle est pas respectée. Là, mettez vos masques. Tain. Je pense que je vais faire quelques marchandises spéciales. Oh, la roue, elle est trop belle. Ah, modeur. La fin zizi, je vais me faire démonétiser. Putain, merci. What, t'as une prime? Wesh, pourquoi tu me tires dessus? Brutive, hein. 7 000 $. Duel. Vas-y, oui. Oui, mon ami. Oui, duel. Tu veux un duel? Vas-y. Quoi, il a rage-kit? Comment ça, égalité? Ah, tu sais pas, tu lances un duel et après tu... Tu rage-kit comme ça? Tiens. Donner des couleurs, moi. Tiens. T'es mort. Voilà. Tu veux un duel? Tiens. Hein? C'est bon, t'as eu ta dose, la victime. Il y a une prime là-bas. Je vais m'infiltrer. Je vais faire genre je suis safe. Il y a un rassemblement de tuning. Parce que moi, je viens pour la prime. Je veux juste la prime de lui, là, l'extraterrestre. $9 000. Je me casse les potes. Voilà. Oh là là, cette infiltration. C'était énorme. Je vais vérifier mon arsenal vite fait, les potes. Il y a moyen que je prenne une douche, frère, parce que je suis dégueulasse. Ah merde, c'est les chiottes. Où est la salle de bain? Elle est là. Ok, petite douche. Ah là. Ah, je ris. De me voir si belle en ce miroir, je suis si beau, je gagne des RP facile, lol, MDR. Voilà, hop là, voilà. Je viens de prendre ma douche, faudra que personne me tire dessus parce que là je compte rester nickel. Un businessman avec un costard plein de sang, c'est pas une bonne idée. Alors, il y a des trucs qui vont pas dans mon arsenal, j'ai envie de supprimer les plein d'armes là. Armes de corps à corps, pourquoi je peux pas tout... Ah oui, attends. Pistolet. Voilà, celui-là je le veux. Non, 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 non. Voilà, c'est ça. Ça, c'est bien. Voilà. Et là, vous voyez, le pistolet et l'open atomiseur, tu peux pas l'enlever, en fait. Tu peux pas l'enlever, l'open atomiseur. Bon, c'est pas très grave. Ça peut toujours être utile. Ok, j'achète 2 caisses. Let's go. Ah, le travail, le travail. J'aime. Petit verre pour la route, hein. Un abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Je prends du jus de fruits, IRL. Allez, go. Allez, ma poule. Roule. Trouver le site du crash, ok. Ah, c'est pas une fois, j'avais pas déjà vu un truc au bord d'un lac. Ça va, c'est pas très loin. Allez, let's go. J'ai pas sorti ma MK2 de cet épisode. Je suis trop content. C'est des ennemis, je suppose. Je suis pas chaud, hein, c'est les premières balles que je tire de la journée. Je peux pas prendre les deux d'un coup, c'est relou. Olé. On va traverser la ville pleine balle avec la bâtie. Un vrai kiff. Il y a quand même un peu de monde dans la session, mais je vous dis, c'est en semaine, les joueurs sont plus calmes. Les joueurs qui sont en semaine, qui jouent le matin ou l'après-midi, sont plus chill que les joueurs du soir. Tant mieux, hein, j'en profite. C'est pas souvent que la voie est libre comme ça. On est mardi, il est... Ah ! J'aimerais bien avoir une belle décapotable et tout, putain, ce qui ferait grave. Une belle sportive décapotable, là. A chaque fois que je la casse, il y a un mec qui se fait chier à la remettre ou quoi. Rip sa journée, hein. Philippe, la barrière a encore été cassée. Remets-la. Ok. 10 minutes plus tard, Philippe, la barrière. Remets-la. On a un beau plan, là. Adorant la nature, moi j'aime les beaux plans. Tout se passe sans accroc, c'est impeccable. Ok. Alerte. Ok, je me fais attaquer. Dej W, ok frère. Ok, Dej W, je vais t'enculer, t'es grand mort.
Voilà, fils de pute. Ça, c'est de la roquette gratuite. Bah les couilles. Ok, tu m'as pété ma marchandise. Ok, frère. Ok, frère, c'est pas grave. Viens, on va chiller tous les deux, frère. Petite merde, va. Bah, tous les sous qu'il m'a pompé, ce fils de pute, je vais lui reprendre en le butant sur ce, sur lui. Les 4000 dollars que j'ai perdu là de marchandises. Lester! Il revient. T'es mort où? Elle est où ta thune? Elle est là? Allez, m'en fous, je vais récupérer l'équivalent de ma marchandise hein, sur lui. Bah, les steaks. C'est bon, j'ai mis mon argent de côté. Oh, so you want to be killed by oppressor? No problem. Il va décaler avec le minigun, on l'entend. Je lui envoie la mare tout de suite. Il s'appelle comment cet enculé? C'est lui, c'est Dej. Ah, parce que tu crois que t'es le seul à pouvoir jouer comme ça? Petite merde, va. Ils sont où les billets? Je les ai ramassés. Boursé. Ah, 1000 dollars. Voilà. Je vais récupérer mon pognon. Je m'en bats les couilles. Oui, il dit que j'ai un aimbot. Merci, ça c'est un compliment. Tu viens casser les couilles, tu payes. Voilà, on va la rembourser la caisse. C'est moi qui te le dis. Je pense que j'ai bien gagné 4000 dollars sur sa gueule. J'ai perdu des gilets, c'est vrai. C'est pas si rentable que ça, mais bon. Ah, il est avec sa MK2, il va sûrement désactiver sa... Regarde, il se met en passif. Ah, t'as eu chaud, hein. On va rigoler. Il dit que je suis un hacker. Nice. Voilà, encore de la thune. Merci frère. Merci, encore de la thune. C'est bien, il pense pas cet abruti à mettre son argent sur son compte bancaire. Je vais même pas aller chasser la prime, juste m'occuper de lui. Merci. Voilà. Alors, oh, je lui ai mis un beau missile dans la gueule là. Fais-moi tomber. C'est ça, c'est bien. Vas-y, cache-toi frère, cache-toi. Merci pour la thune. Mais tue-moi. Ah, maintenant il faut arrêter. Les gars, il m'énerve. Le mec vient casser les couilles, il vient pleurer pour dire ouais, on peut arrêter en fait, j'aimerais que ça s'arrête. Mais en fait, nique ta grosse mère, gros fils de pute. This is called the skill, my friend. Ça l'arrange pas en fait. On peut arrêter parce que tu m'éclates en fait, ça m'arrange pas. C'est pas toi qui décide. C'est pas grave, frère, j'ai tout mon temps. Reste en passif, petite victime. Une caravane, bon bah viens. Putain, s'il vient me péter les couilles. Ah, il a quitté. Ouais, bah ça, c'est le rage kit de la honte, ça. Mais voilà, c'est tout. C'est bien. Ça lui coûterait pas grand chose de commander sa propre marchandise, franchement. Mais bon, il veut le faire. Ok, tu viens dans mon gameplay, en fait. Nice. C'est quoi sa mission de saisie de luxe, là? Simone? Premium de luxe, ça veut dire que je lui rapporte des bagnoles et c'est bon? Ah ouais, non, ça m'arrange pas. Non, je voulais rester dans la session, moi. Mais non, mais je m'en bats les couilles. Je quitte. Bon, moi, on va faire les marchandises. Allez, let's go. Ils vont vouloir me faire chier, eux. Allez, une. Attention à la sortie. Oh, la météo! Oh! Allez, plus qu'une. Ça m'aura pris 5-6 minutes.
C'est 20 000 boules en 5-6 minutes, moi je trouve ça intéressant. On se rend bien compte qu'on n'a pas tout exploité, nous les joueurs. Enfin, une partie des joueurs ont été assez feignants et ont préféré se faire de l'argent facile sans vraiment découvrir le système de business, quoi. Ce qui est triste. Mais il n'est jamais trop tard pour s'en rendre compte. Enfin, si, il sera trop tard. Quand GTA 6 sortira, ce sera trop tard. Quand j'entends les gens dire que c'est du pay to win, bah, je fais bah non, frère, regarde. Commencé il y a un mois, frère. T'as vu ce que j'ai là? J'ai déjà 3 business full upgrade, une MK2 et tout. Non, il est pas. C'est pas du pay to win en fait. Prépare une sortie magistrale. Oh les ta gueule titouan. Voilà. Allez, 161 000 dans la boîte. Ok, je vais essayer de me taper la prime. Si j'arrive pas, je vais au casino. Il s'est barré. What, il s'est barré plus vite que... Dude, that sunset. Mais ouais, on est d'accord que c'est magnifique les frères, hein. Tous les joueurs ils sont ébahis devant le coucher de soleil. Billet, j'ai envie de dire, hein. Oh, un petit billet, bon. Alors, des narcotiques. Let's go. Je peux passer vite fait un ammunition. Ok, le camion arrive. Impeccable. Oh putain, faut que j'aille tourner la roue aussi. Putain, il y a trop de trucs à faire. Allez, hop, ça va dedans. Go. Faut que je me défende un minimum. On quitte l'entrepôt. Est-ce que je fais ma vente de méthamphétamine? Je vais la faire maintenant parce que j'ai peur d'être vite embêté, moi. J'ai toujours pensé que c'était les méthamphétamines qui étaient le plus rentables. Et en fait, non. C'est la cocaïne, je crois. Alors, attends, on va voir. Rapprovisionnement. Ouais, ce sera fait. Vendre le stock, 325 000. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus rentable. La coke. Ah non, c'est pas les motos, c'est les... Oh putain, ouais, d'accord, ok. Ok, frère.